Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 16 mars 2023. Il est presque 10 h. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le diocèse d'Arménie de l'Église orthodoxe russe a soumis des documents au ministère de la Justice d'Arménie pour enregistrement, je m'entends en tant qu'Église, en tant que culte, en Arménie. Donc voilà, donc pour entériner la présence des Russes et puis de l'orthodoxie russe en Arménie. Ce dossier était bloqué depuis un certain temps, donc aujourd'hui, donc il avance, il avance. Voilà, d'ici un mois, a priori, l'autorisation devrait être donnée donc pour officialiser l'Église orthodoxe russe en Arménie. La compagnie saoudienne Flynas opérera des vols donc durant la saison estivale en direction d'Erevan en Arménie. Actuellement, donc, le ministre de la Défense, hier, il a fait donc Soulen Babikian, hein, donc il a fait donc une interview, une très très longue interview hier à Yerevan. Il a affirmé donc dans ce briefing qu'il n'y a pas actuellement de concentration de troupes azéries aux frontières de l'Arménie. Mais voilà, une vigilance permanente s'impose parce qu'à tout moment, Aliyev peut décider d'attaquer l'Arménie malgré les critiques internationales. D'ailleurs, le ministre de la Défense d'Artsakh dément les informations diffusées par l'Azerbaïdjan, affirmant que les Arméniens ont violé le cessez-le-feu en Artsakh. À chaque fois que l'Azerbaïdjan tire, viole le cessez-le-feu, accuse les Arméniens de l'avoir fait. Voilà, donc inverse les rôles pour cacher ses désirs, tout simplement, et puis ses attaques, hein. D'ailleurs, les forces armées azéries ont ouvert le feu en direction de trois citoyens effectuant des travaux agricoles dans la région de Mardouni en Artsakh, donc à l'est de l'Artsakh, tout près de la frontière de la partie Artsakh et Artsakh occupée. Les forces armées azéries ont ouvert le feu donc en direction de trois agriculteurs arméniens qui travaillaient dans les champs. Voilà, aucun n'a été blessé, mais les travaux ont dû être arrêtés et les forces russes de paix ont été mises au courant du grave incident, une nouvelle fois, un nouvel incident. La vidéo de Brunette, c'est celle de la candidate qui représentera l'Arménie à l'Eurovision 2023. Ça se passera en Angleterre, je crois que c'est à Liverpool, en mai prochain. La chanson donc Future Lover a été présentée donc hier, a été mise en ligne. La vidéo officielle a été mise en ligne hier en fin de soirée. Et figurez-vous, en quelques heures seulement, en quelques heures, il y a plus de 400 000 vues donc de cette vidéo sur YouTube. Du site de l'Eurovision ou du site tout simplement, oui, placé dans la liste des chansons concurrentes, hein, donc à l'Eurovision. Donc, a priori, un très très bon départ de Brunette. À la fin, elle parle en arménien en fait, hein, c'est en anglais, mais à la fin, il y a quelques phrases en arménien qui sont, on verra, de toute façon, il faut faire aucun pronostic. A priori, c'est une très belle chanson, mais il faut faire aucun pronostic pour la victoire. Nous l'avons vu donc Handling l'an dernier, donc à l'Eurovision 2022. Elle a été classée 20e, et sa chanson aujourd'hui cartonne dans le hit parade. C'est parmi les deux meilleures chansons de l'Eurovision de tous les temps sur Spotify à être écoutée par des millions et des millions d'auditeurs. On les entend partout, sur les chaînes de télévision, dans les centres commerciaux, partout. La chanson de Dan Lin, d'ailleurs le titre qui était à l'époque passé anodin est aujourd'hui très 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 demandé, tout simplement. Cela veut dire que le classement de l'Eurovision, c'est quelque chose de bidon, il faut quand même le dire, avec des corruptions, des propositions entre jurys. On a vu l'Azerbaïdjan qui a gagné l'Eurovision en 2011 après avoir triché, après avoir soudoyé le jury, après avoir fait voter 500 personnes d'une frontière à une autre en passant sur deux pays pour voter sur deux pays. Beaucoup, beaucoup d'éléments qui n'ont pas été sanctionnés une nouvelle fois. Dans ce monde, en fait, hein, agissez, et puis les sanctions viennent ou ne viennent pas. Et souvent, ces sanctions ne viennent pas, et Aliyev l'a bien compris. Même si l'étau se resserre autour de l'Azerbaïdjan au niveau diplomatique, hein, il faut quand même le dire, mais de l'autre côté, il a le gaz et le pétrole pour balancer à tout moment comme une bouée d'oxygène pour faire un peu le leurre, pour faire du leurre face à la diplomatie internationale.
Oui, l'Azerbaïdjan entreprend de nouvelles provocations pour tenter de détourner l'attention de la communauté internationale de la question de la Chine, a affirmé donc le représentant de l'Arménie au Conseil de l'Europe. Voilà, l'Azerbaïdjan qui essaye de détourner effectivement l'opinion internationale qui est plutôt contre elle, hein, il faut le dire, par le corridor de la Chine, le blocage. Aliyev a perdu diplomatiquement, mais il ne bouge pas. C'est que la situation est bloquée, elle est toujours pareille. Mais l'étau se resserre autour, donc, je demande, autour du cou d'Aliyev, hein, il faut quand même le dire. Yerevan a collecté plus d'impôts, plus de recettes de budget en 2022 que ce qu'elle attendait, donc 2,4% en plus. C'est très bon, donc ça veut dire que ça veut dire que c'est très très la ville d'Erevan peut s'équiper donc de belles choses. Et justement, 150 nouveaux bus supplémentaires vont compléter la flotte de transport d'Erevan. Aujourd'hui, ça sera dans le sujet du gouvernement arménien pour valider cette commande de 150 nouveaux bus pour compléter le réseau donc de transport routier à Erevan. Dans la nouvelle situation. Aujourd'hui, donc créé hein, par la guerre russo-ukrainienne et puis par le monde hein, qui un petit peu qui s'est divisé en deux, Bakou devra décider sur quel terrain jouer, occidental ou oriental, selon un expert arménien qui connaît donc la situation. Donc, il s'appelle Harout Arakelian. C'est un spécialiste du Moyen-Orient. Il a affirmé que l'Azerbaïdjan doit faire son choix, soit aller dans le bloc de l'Est, Russie, Iran, Inde, Chine. Soit dans le bloc de l'Ouest, donc l'OTAN, Turquie, États-Unis et compagnie. A priori, selon cet expert, le bloc de l'Est a plus d'avantages, offre plus d'avantages que le bloc de l'Ouest. Voilà. L'Arménie est entre les deux, plutôt dans le bloc de l'Est, voilà, par la Russie, par l'Iran. Voilà donc le monde aujourd'hui. Donc, il y a eu un Yalta en 1943. Aujourd'hui, il y a un fait nouveau. Un fait nouveau. Le monde est divisé entre Occident et Orient, entre l'Ouest, États-Unis en tête, et l'Est, Russie, Chine, Inde, Iran. Voilà donc Brésil qui représente quand même une partie importante de la planète. Voilà comment on dit, cette faille qui s'est produite. Et les pays, les républiques, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, on le sait, c'est dans le camp de l'OTAN, mais ces pays-là, donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan, doivent faire leur choix. C'est la nouvelle donne, en fait, aujourd'hui, pour justement démarquer une politique. Soit on est proche de l'Est, soit proche de l'Ouest. Naviguer entre les deux, ça peut se faire aussi, hein, donc, mais un jour l'autre, il faut répondre. Naviguer entre deux eaux, comme on dit. C'est pas toujours facile. L'armée arménienne annonce des acquisitions donc d'armes en 2022 hein, avec justement des canons de longue portée indiens pour 155 millions de dollars. Beaucoup beaucoup d'investissements, c'est ce qu'a annoncé donc Souled Babikian. Le budget de l'Arménie a permis un supplément pour l'achat supplémentaire d'armes pour justement la défense de l'Arménie. Même si aujourd'hui, bon, le risque est permanent, hein, comme Nicole Pachinian l'a dit, mais même s'il n'y a pas de troupes concentrées aux frontières de l'Arménie, il faut attendre à tout moment un changement. Alors, le Parlement européen accuse l'Azerbaïdjan d'agression et d'occupation. Voilà donc une nouvelle fois, donc, selon un rapport donc, de l'UE, l'Azerbaïdjan est accusé, mais l'Azerbaïdjan qui ne bouge pas hein, malgré cela. Et la ministre française des Affaires étrangères, donc Catherine Colonna, exige une enquête transparente sur l'attaque des trois soldats, comment dirais-je, policiers arméniens qui ont été tués le 5 mars par une attaque azérie. Donc voilà, la France aussi en porte-drapeau hein, aussi de cette défense, de défense de l'Artsakh et des Arméniens, la France qui est le pays des droits de l'homme, hein, qui joue son rôle aussi. En Europe, il faut quand même le souligner, hein, la France est derrière l'Allemagne. Hein. C'est la France qui est leader donc, pour la défense des Arméniens, comme Macron l'a dit et comme Catherine Colonna l'a dit aussi. La France défend les Arméniens parce que ce sont des droits justes, tout simplement face à une agression. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Est-ce qu'il y a de. Oui, le Parlement européen, c'est pas le Conseil de l'Europe, le Parlement européen. A affirmé que le traité global entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan doit inclure
les garanties des droits de la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh. Voilà. Et qu'il a aussi, donc le Parlement européen a demandé, l'étau se resserre au niveau de Bakou, hein, donc a demandé justement le respect de la décision du tribunal de La Haye qui a condamné donc l'Azerbaïdjan. Voilà. Et puis, bien sûr, le déverrouillage du blocus du corridor de Latchine qui dure depuis 100 jours. Voilà mes amis, donc pour les informations aujourd'hui, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je regarde si j'ai mis des infos en sport ou pas. Non, donc il y a eu l'Eurovision, hein, donc voilà. Brunette, un nom bien français, mais elle est arménienne et elle chante en anglais et en arménien. Donc la vidéo, vous pouvez la suivre sur YouTube, hein, sur soit Nouvelle d'Arménie en ligne, donc Arménews, soit sur mes pages Facebook. Vous savez, une nouvelle fois, donc l'Eurovision, c'est quelque chose bon, le terme bidon, c'est un peu vulgaire, c'est quelque chose un petit peu comme du surfait, c'est pas du vrai, parce qu'en fait, c'est pas les meilleures chansons qui passent, c'est toujours, les points sont accordés suivant des connivences. Mais malgré tout, c'est un champ de vision de 120 millions de téléspectateurs qui, en Europe et dans le monde, regardent en direct, et puis en différé aussi, hein, sur les réseaux sociaux. Regarde comment dirais-je, cette grande messe de la chanson. Donc la participation de l'Arménie est importante, bien sûr. Et si elle peut être classée parmi les premières, ça sera encore mieux, mes amis. Quel que soit, effectivement, si la chanson elle n'est pas arménienne ou ne représente pas les racines arméniennes, il y a quelques mots en arménien pour faire bonne figure. Mais c'est sous couvert, sous le drapeau de l'Arménie et sous le nom de Arménie, que l'Eurovision est présentée. Et c'est aussi un gage de c'est une façon de faire connaître davantage notre pays, mes amis. Voilà, il ne faut pas voir au-delà sinon. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.